Vous allez, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de juillet. Et on va remplir pour la cinquième et dernière semaine du mois de juillet. Parce que nous sommes sur un mois à 5 semaines pour nous. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur la semaine? C'était une semaine fortement chargée. Au boulot, les JO ont commencé. Donc, nous, ça a commencé à partir du 24, parce qu'il y a des épreuves JO qui ont commencé à partir de là, donc des trains supplémentaires, en amont la vérification de beaucoup de trains. Moi, je travaille au niveau des trains. Et beaucoup d'instructions pour les conducteurs, pour que ils aient les bonnes instructions à mettre en place. Donc, pas mal de boulot, journée bien fatigante, et puis voilà. Sinon, concernant la boutique, j'en arrive au bout. Franchement, il me reste encore 24 commandes. Je fais la vidéo là. Après, je vais en traiter encore quelques-unes qui partiront comme ça demain. Et demain, je suis en repos. Là, je termine. Je travaille aujourd'hui et c'est mon dernier jour. J'aurais fait 6 jours cette semaine. Et je suis de repos après lundi, mardi, mercredi. Donc, ce sera bouclé lundi ou mardi, grand maximum. Là, j'ai plus qu'à faire les commandes, en fait, à emballer. Toutes les commandes sont prêtes. J'ai plus qu'à faire les enveloppes. Et ça me prend, pour celles qui ont déjà reçu, de faire l'emballage, ça me prend un peu de temps quand même. C'est la réflexion que je me faisais. En une heure de temps, des fois, j'emballe que 5 commandes, quoi. Enfin, tant de bien tout mettre, machin, un truc. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà. Sinon, à part ça, j'ai fait des courses. On a mangé une fois au McDo. Donc, vous allez voir ça dans le porte-monnaie. Il y a eu pas mal de changements sur le planeur. Je vais vous montrer après. Mais avant ça, je voulais vous montrer hier. Quelle surprise et quel bonheur. Franchement, c'était un bonheur en rentrant d'avoir 2 colis dans la boîte aux lettres. pour lequel je m'attendais pas pour un. Et à moitié pour l'autre. Mais franchement, je ne pensais pas maintenant, au vu de la quantité de travail qu'elle a elle-même de son côté. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais surprise, j'étais ravie, ça a mis du baume au cœur, j'étais trop contente. Même si, enfin voilà, j'étais de bonne humeur, hein, ça m'a beaucoup touchée. Donc je vais commencer par justement ce que j'ai reçu donc d'une abonnée, Émilie. Émilie, merci beaucoup, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai décidé, comme je les ai reçus hier soir, je me suis rongée la main pour ne pas y toucher. Pour pouvoir l'ouvrir avec vous, voilà, pour qu'elles aient au moins le plaisir de découvrir ma réaction avec vous. Donc, on va commencer. Et vous allez voir que ce n'est point petit. Alors, nous avons le colis d'Émilie. Voilà. Donc, c'est un gros carton. Je vais essayer de vous dézoomer au maximum. Je crois que j'y suis déjà. Si je vous remonte un peu, vous allez voir tout mon bazar. C'est un gros bazar. Bon, je ne peux pas. Alors, sans que vous ayez les adresses, mes ciseaux. Aurélie, retrouve tes ciseaux. Ça peut le faire. Ils sont là. Alors, il a vécu pendant le trajet. Hein, parce qu'il est à moitié ouvert sur le dessus. Le scotch était à moitié décollé. Hop. Ça, c'est poussé. Et je ne peux pas le mettre debout. Donc, je vais le décaler par là. Hop, ça, on verra ça tout à l'heure. Je vais le mettre là et je vais piocher ma main dedans. Hop, oh punaise. Oh punaise. Mais c'est juste rempli. Alors, j'ai un masque Rainbow Candy. Ça va me faire beaucoup de bien avant de partir en vacances. Ça va être top. Merci beaucoup, j'adore. Moi, j'adore les masques. J'adore les masques. J'ai juste pas le temps de prendre soin de moi en ce moment. Un petit agenda 2025 doré, il est juste trop beau. Franchement, il me faisait de l'œil depuis un moment et je suis ravie du coup de l'avoir. C'est trop cool, merci beaucoup. Par quoi en bas? Est-ce que vous savez ce que c'est? écoutez, ça va nous faire le trajet, c'est parfait. Une cochonnerie en moins à acheter pour la route. Nous, on aime bien avoir des cochonneries pour la voiture. On oublie le body summer à ce moment-là. Enfin bon, là, on l'a oublié depuis un sacré bout de temps. Alors là, on a des petits défis. Je vais mettre les défis de côté et on les ouvrira après. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs.
Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, une petite bougie. Scented candle. Alors, attendez. Je l'ouvre. Celle-là, je connais. La noire. Ah, oh, putain, elle est dure. Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Je ne sais pas si allumées, elles fonctionnent. Parce que moi, j'en ai offert. Donc, je ne les ai pas allumées. Mais on verra. Merci. C'est trop bien. Moi, j'adore les cadeaux. J'adore les surprises. C'est pour ça que je mets énormément dans mes budgets cadeaux. Parce que j'adore également les faire. Voilà. À plat. Ah, ça, c'est ouvert. Je pense que c'était emballé. Et ça, c'est ouvert dans le, dans le colis. Pareil, je le mets là. Je sors tous les défis, comme ça je vous les montre tous en même temps. C'est quoi ce gros machin? Oh, un gnome! Oh, elle est trop cute! Oh, elle va faire ma déco d'automne. Oh, c'est trop beau, j'adore! Oh, c'est trop cute, merci beaucoup! Oh, elle est excellente. Elle est trop mignonne. Oh, et puis vous allez bien la voir en vidéo, c'est génial! Un petit mot que je garde pour moi. Un autre défi. Oh, une petite tortue. Oh mon dieu, je suis refaite pour l'année avec les défis. Oh, c'est trop mignon. Un des plus ou moins. Ben, comme ça, je vais vous mettre le mien. Et je garderai celui-là. Il sera pour moi. Oh, ils sont trop mignons avec les petites enveloppes. Oh, j'adore. Je vais voir après. Encore un défi. Oh my god. Encore un défi. Je refais ton défi, j'adore. Hop. Des petits sachets de bonbons. Promis, je les mange, je ne vous les mets pas dans les commandes parce que c'est ceux que je mets dans les commandes. Encore un défi. Et un carnet. Alors, celui-là, je l'ai, mais j'aimerais en faire quelque chose. Je l'ai parce qu'il m'intéresse depuis un petit moment. Mais je n'ai encore rien fait, donc comme ça, j'aurai du choix. Il est trop beau. Je le trouve magnifique. Hop, hop, hop. Parfait. J'adore. Et la boîte est vide. Mais en même temps, c'est énorme. Enfin, vous voyez tout ce qu'il y avait dedans, c'est juste énorme. Oh, franchement, je suis émue. J'ai les larmes aux yeux. J'adore recevoir de vos cadeaux. J'y crois pas à chaque fois, en fait. Mais j'adore. Merci beaucoup. Alors, en défi, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petites cartes. Ah, c'est trop beau. La Reine des Neiges. Toutes les princesses. Elles sont superbes. Oh, elle est trop belle, Clochette. Oh, j'adore. Ah, je viens de comprendre. Elles sont dans une bulle. D'accord, c'est magnifique. Je viens de comprendre le fil rouge. Ah, c'est cool parce que c'est pas que des princesses, c'est top. Ah, j'adore Belle et la Bête. En fait, moi, j'aime beaucoup les princesses qui n'en sont pas. Stitch, Minnie, Anna, Peter et Mickey. C'est trop, trop beau. J'adore. Merci beaucoup. Je crois que je vais le dire 150 fois. Merci, merci. Là, c'est des petits lutins avec une couronne. Enfin, des petits gnomes, des petits... Ouais, plus des lutins. Des trolls. Ouais, des petits trolls. Enfin, je sais pas. Ah, et derrière, on a... Oh, elles sont belles. Elles sont trop belles. J'adore. Ah, c'est trop, trop beau. J'espère que vous voyez bien. Franchement, c'est trop beau. Émilie, tu assures. Tu assures, tu assures. J'adore. On a d'autres princesses. Mais là, franchement, je ne crée plus de défis. Je fais que les vôtres. C'est pas possible, j'en ai trop dans la tête. Réponse. Ah, avec les billets, c'est top. Franchement, c'est top. C'est trop ça, les budgeteuses. Avec les faux billets. Oh, Clochette est trop mignonne. Ah, c'est l'évolution de Clochette. Petite, adolescente, jeune femme et femme. Ah, c'est top. J'aime beaucoup.
Hop, qu'est-ce que... Ah, je voulais vous parler d'un truc après. Je finis ça. J'espère ne pas l'oublier d'ici là. Ah, elles sont belles. J'adore les couleurs, ça pète bien, c'est trop beau. Elles sont magnifiques. C'est juste trop, trop beau. Je suis touchée. Énormément touchée. Mes petites tortues. Ah, elles sont trop mignonnes. Oh, je suis trop chou. Elles sont pas trop belles. Sarah, dis-moi, elles sont pas trop belles, les tortues? Ah, les pandas. Ce jeu de lumière, c'est franchement, c'est trop, trop beau. Alors, je crois que j'ai fait toutes les petites cartes. Non, il y en a encore un paquet. Ah, je vous ai pas dit, on est dimanche matin. Donc, vous n'allez pas avoir la vidéo à 9h. Ça, c'est sûr. J'en suis déjà à 12 minutes. Je vous mettrai peut-être un timer pour ceux qui veulent passer et voir directement le budget. Oh, c'est plein de petites cartes. Numéro 1, numéro 2. Petit chien, petit dragon, petite licorne. Avec des petits montants, ça, c'est top. Petit tigre. C'est des bébés animaux. Donc là, on a les 12 cartes de l'année. Donc, sur l'année prochaine, bah, je ferai. Et là, les hiboux. Ah, on peut plus en néon, la même chose. Enfin, la même chose, différemment, mais les 12 cartes. Ah, c'est top. C'est top. J'adore. Franchement, j'adore. Sur l'année prochaine, je veux continuer les petites cartes. J'adore le fait de remplir mes épargnes avec mes petites cartes. Donc, d'avoir des défis qui courent sur toute l'année pour remplir les épargnes et d'en avoir pour les épargnes plaisir, j'adore. Alors, celui, ceux-là. Mais franchement, là, j'ai toute ta collection, Émilie. Il est beau, ce chat. Il est trop beau. Puis c'est des petits montants à chaque fois. Enfin, bon, là, j'arrive, je dis ça, j'arrive sur un montant à 120, mais... Non, c'est trop beau. Elle est belle. Elle est trop, trop jolie. Transformation. Elles sont trop mignonnes. Oh, j'adore. C'est Betty Boop petite. Une petite tortue. Encore clochette. Balade en tortue. Excellent. Ah, il est beau. Il est très, très beau. J'adore. Excellent. Vous trouvez pas qu'on dirait moi? Non, je rigole. Franchement, ils sont trop beaux. J'adore. J'adore, mais un travail de fou, là. Alors, celui-là, comment il fonctionne? Calcul. 10. Ah, c'est plus, moins, et je mets le total. Ok, j'ai compris. Ah, j'adore. Trop bien. Ok. Alors, attendez. Je vais laisser les petits goodies dedans. Et franchement, j'adore. Oh, c'est une clochette. Oh, j'adore. Je vais le dire 50 fois. En gros, là, 10, je vais faire plus ou moins pour savoir combien je mets. Soit je mets 0, si je tombe sur moins. 10 moins 10, ça donne 0. Si je mets, je tombe sur plus, ben, ça sera 20 euros. Et si je tombe sur rien, ben, je mets 10 euros. Donc là, c'est plus. En gros, je mettrai 20 euros. Parfait. J'adore l'idée. C'est top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai plus de place. Et là, petit puzzle. C'est bien ces petites pochettes là pour mettre. Ah, puis alors, les puzzles, ils sont faits en puzzle. Hein. Le travail de dingue. Donc, on a les petites cartes, je vous montre. Elles sont vraiment faites sous forme de puzzle. C'est excellent. Trop, trop bien. Et on a la somme en fonction de ce qu'on met. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et cette tortue est juste trop jolie. On m'a demandé de montrer le parc aux tortues. Dès qu'il est terminé, je vous le montre. Celui-là, c'est juste un amas de terre. Donc, il n'y a rien de vraiment à voir.
C'est juste top. Il est trop trop beau. Donc voilà pour le petit colis d'Emily qui est franchement magnifique. Je suis juste extrêmement touchée de recevoir autant d'amour de vous. Je vous remercie. Voilà, c'est comme je vous le dis à chaque fois, c'est une aventure qu'on partage ensemble et je suis ravie de la partager avec vous. Voilà, c'est pour l'instant, si on me disait il faut que tu arrêtes, je serais mais d'une tristesse. Je serais trop mal. Je veux pas arrêter. Je veux continuer de vivre cette aventure avec vous. Je lis la petite carte. Tu as également la main sur le cœur, Émilie, franchement. Merci beaucoup. Je suis ravie, ravie, ravie et très, 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 très touchée. Alors, on va essayer de se ressaisir. Je ne vous l'ai pas fait en facecam, je suis encore en pyjama. Hop, je vais le laisser par là. Et le deuxième colis, il est là. Et il vient de Virginie de la chaîne Prospérance. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Prospérance. Je n'ai pas encore vu la dernière vidéo, mais vite fait, YouTube m'a montré qu'elle est en train de se laver les dents. J'adore ses intros. J'aimerais avoir son imagination pour en faire d'aussi bien. Mais non, je lui laisse, c'est carrément son style. Elle a trop raison. Hop. Donc j'ai un petit mot que je n'ai pas lu, parce que j'ai juste ouvert, mais je le découvre avec vous. D'accord, ce n'est pas un petit mot, c'est un grand mot. Ah, donc je prendrai le temps de le lire tranquillement parce qu'il est très long. Et voilà, on a un petit porte-clés. Alors également promis, pour celles qui savent quand je passe des commandes, je ne le mettrai pas en vente. Je vais le garder pour moi. J'adore. Je vais le rajouter à mon porte-monnaie tout de suite, comme ça, sûr. En vrai de vrai. Voilà. Parfait. On a un beau stylo rose gold qui va très bien aller avec celui que Virginie m'avait fait. Voilà, j'en aurais un doré et un rose gold. Parfait, trop beau. Mère merveilleuse. Nolan, Joanne, Aurélie. Ah, oh, j'adore. Les petits cœurs 2 euros, les grands corps 5 euros. Il est juste top. J'adore ces dessins-là. Ils sont trop trop beaux. Ah, un petit trombone en forme de petits nœuds. Pareil, je vais le garder. Il va aller dans ma boîte de trombone à moi. Défi bienveillance de moi à moi parce que je le mérite. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. D'autant plus quand on fait le budget. Là, monsieur râle de fou. Mais achète-toi des fringues. Mais machin, ça fait des années que t'as le même... T'as les mêmes fringues l'été. Donc, j'ai compris le message. Ok, ok. Donc, il est pour 30 euros, c'est top. En plus, c'est des petits montants. Ah, des petits stickers. La cassette. J'ai connu la cassette. J'avais un Sony, un Walkman, un Sony bleu. Il était trop beau, je l'adorais. Quand je partais en colo, je l'emmenais. Avec le gros casque, comme si ce n'était pas les écouteurs à fil. Marilyn, les bouches. Marilyn encore. Enfin, Marilyn ou une autre. Mais le truc des amours, l'émission de télé. Hop. Des petites pin-up. J'adore les pin-up. Je trouve que ça met tellement la femme en valeur. Enfin bon, c'est mon avis. Hein. J'adore. Et son... Alors moi, je sais le faire. J'avais... Ouais. Ah. J'adore. C'est trop beau. Ah, je le voulais trop. Alors attendez, je commence avec une petite carte en jaune. Ce qui va très bien avec le doré. C'est trop beau. Ces petites cartes, pareil, je pense que je les ferai l'année prochaine. Je vais faire beaucoup de petites cartes l'année prochaine. La Game Boy. Alors, attendez. L'ordinateur. Alors, j'en ai eu un presque comme ça. Mais presque, hein, je dis. C'était encore la génération avant, quand même, cela. La Game Boy. Alors, moi, j'ai pas eu, mais monsieur a eu. Et alors, dans la famille de mon mari, la Game Boy était dans les toilettes. Hein, donc, en fait, c'était la Game Boy qui remplaçait le téléphone pour messieurs aux toilettes. Hop. Oh, le Tamagotchi, j'en ai eu un. J'adorais ça. Il était bleu. J'ai eu beaucoup de trucs en bleu. Hein. Caméscope, j'en ai pas eu avec mes parents, mais j'en ai eu un au tout début. On s'est installé ensemble avec Yann. Hop. Le téléphone, ça. Comme ça, c'était chez mes arrière-grands-parents. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mes arrière-grands-parents.
Fallait pas se tromper, hein. On tournait. Ah mince, je me suis trompée, fallait tout recommencer. C'est une horreur. Hop, la cassette. Oh, le post-cassette. Eh ben, dans la Renault neuve de mes parents, quand on partait en vacances, c'était la musique des vacances. On avait le post-cassette dans la voiture. Excellent. Le Polaroid. Alors, mes parents n'en ont pas eu. On en a un, mais récent, mais mes parents n'en ont pas eu. Le Walkman. J'adore. La disquette pour les ordinateurs, c'était pas encore les CD. La voiture, alors je sais jamais si c'est la Super 5 ou la Renault. Enfin bon, c'est une voiture très connue. Et la VHS. Eh ouais, la VHS. Ce qui était avant les DVD. Trop, trop bien. Et puis vraiment trop bien présenté, le petit porte-carte, nickel. Hop, et le défi pin-up. Je suis obligée de l'ouvrir celui-là. Autant les autres, voilà, je ne les ai pas ouverts. Il n'y en a qu'un, hein. Ouais, il n'y en a qu'un à chaque fois. Je dis pas de bêtises. Ah, je crois que je dis une bêtise. Bon, je vais quand même regarder au cas où. Ah non, il y en a deux. Eh ben, j'ai bien fait d'ouvrir. Ah, il y a le coquelicot. Un joli coquelicot. Joli coquelicot, mesdames. Joli coquelicot nouveau. Là, il n'y en a qu'un. Ah, trop bien. Il est trop beau aussi, celui-là. Ah, j'ai hâte. Hop, et alors celui-là, mais franchement, je l'ai trouvé trop beau. Mais franchement, j'adore ces défis. Elle en a créé celui avec le jackpot, j'adore. Le manchot, je sais plus quoi. J'adore. Franchement, il est juste topissime. Trop, trop beau. Facile à gratter. Là, je pense que c'est en fonction de la couleur. Ok. Les rouges à lèvres, donc c'est des petites sommes. Power Girl. J'adore. Lancer un dé, épargne le résultat. Là, on lance les deux dés. Je sais. Ou non. Je verrai ça. Je vais voir comment les filles jouent. Là, c'est le pile ou face. Donc ça devrait aller. Celui-là, ça devrait aller. Là, c'est une pastille à gratter. Là, j'ai une pastille à gratter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Franchement, c'est top. Il est trop bien fait. Je l'adore. Quand je l'ai vu sur son concours, j'ai dit, ah, il est trop beau. J'adore. Franchement, c'est du très, très, très beau boulot. Je suis extrêmement gâtée. Merci énormément, les filles. Virginie, je vais lire ton petit mot après la vidéo. Parce que très clairement, on est à 24 minutes d'ouverture. Voilà. Je suis trop, trop touchée. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. Des amours. Je ne le dirai jamais assez. Je vais mettre ça là. Allez, on est parti. Je pense pas faire un bilan très très long, donc ça devrait le faire. Mais au pire, sinon je couperai en deux. Non, c'est en avant. Alors, Plum m'a pris 17 euros. Les PEL sont passés, les impôts sont passés, etc. Je l'avais déjà dit. Tous les téléphones sont passés, on est à 140,39 au lieu des 138,30, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le compte. On a fait quelques cartes, alors je vous explique. Pardon. On s'est arrêté juste à la commande Temu. J'ai fait pour Noroto, j'ai été voir une amie lundi et bim bam boum, le niveau d'huile. Fallait s'en douter, on revenait de Bretagne. Donc, comment vous dire, enfin, on avait fait la route pour la Bretagne le 14 juillet. Donc, généralement, quand on n'arrive pas loin de la révision, voilà, le niveau d'huile baisse un peu. Donc, j'ai racheté un petit bidon d'un litre, 15,99 €. Et j'ai remis un peu d'huile dans la voiture pour attendre la révision qu'on va faire, je pense, en rentrant de vacances. J'ai fait une commande Pierre Rico, j'en ai eu pour 104,60 €. J'ai pris les 50 € que j'ai mis en retour banque. Ils sont là, je crois que je n'ai pas noté derrière, mais ils sont là. Et 54,60 € avec le compte. Et j'ai Nolan qui voulait un jeu sur PS, voilà, payé en ligne, là. 11,99 €. Au début, il devait me redonner 10 €. Sauf qu'après, il m'a un peu fait tous les arrondis de mes petites cartes du sans enveloppe. Donc, il m'a fait trois lots. Donc, pour celles qui recevront les sans enveloppe, elles auront l'honneur d'avoir eu un défi fait également par mon fils. Donc, je lui ai dit qu'il pouvait garder ses sous pour son jeu que je lui payais. Voilà.
Et comme il avait déjà payé avec cette compte-là, sinon j'aurais pris avec la boutique. Mais voilà. Eh bien, écoutez, on va prendre ça et on va faire le bilan. On re-remplit pas. Si, on remplit. Mais on ne cochera pas et tout. Donc, voilà. Hop. Je vais vous re-zoomer. Hop là. Histoire que vous ayez tout et pas trop loin. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Tac, tac. Alimentation. Alors, j'ai fait en alimentation un gros Mic Mac. J'en ai eu pour, au total de mes courses, 102,21. Mais j'en avais pour 124,05. Sauf qu'après, j'ai eu 22,24 de remise. Donc, il me restait 102,21 €. Parce qu'en plus, j'avais le coupon de 10 €. En hygiène, j'en ai eu pour 14,11 €. Bon, j'ai pris ce que j'avais en pièce, je les ai mis dans mon porte-monnaie. Parce qu'en fait, j'avais fait un bon d'achat de 100 €. Parce que je pensais en avoir pour 112 €. Mais en fait, j'avais zappé le, le bon d'achat. Réellement, en alimentaire, j'ai fait 98,10 €. Et j'ai pris les jus. J'ai pas pris dans promo. Voilà, je vous fais un résumé. J'ai pas pris dans promo parce que voilà, j'avais de quoi le faire avec les courses. Donc j'ai laissé les promos tranquilles. Donc en alimentation, il nous reste les pièces que j'ai pas pu dégager. Je suis dégoûtée. 9 €. 2, 4, 6, 8, 9, 29 €. C'était peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Donc, on va dire qu'on a dépensé 91 €. C'est ça, hein? 9 pour arriver à 100 plus les 20, ouais, c'est ça. 91 €. Je mets les 120. Je pense que je vais faire un bon d'achat. Je ne sais pas, en fait. Parce que je ne vais pas acheter grand-chose vu qu'on part dans une semaine. Non, je vais laisser en... je vais pas faire de bon d'achat. Alors, on m'a demandé pour les bons d'achat comment je fonctionnais. Les bons d'achat, je passe par eBay Club. eBay Club, c'est une application de cashback. Et pour Carrefour, ils font un cashback de 3,60 €. Donc, en fait, moi, quand je fais mes courses, plus vous pouvez le faire, c'est instantané. Hein. Donc, moi, ce que je fais, il y en a qui préparent d'avance leur bon d'achat. Moi, je fais mon bon d'achat dans Carrefour. Une fois que comme je prends la scanette, je scanne tous mes articles. Je sais pour combien je vais en avoir. Et du coup, je fais mon bon d'achat en fonction. Voilà. Parfait. Donc, alimentation, c'est fait. Donc là, j'ai fait le cashback. Ça m'a rapporté 3,60 € sur les 100 € que j'ai dépensés. En entretien, on va remettre les 20 €. Parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Entretien, il est là. J'ai quelques trucs à racheter pour les vacances peut-être. Genre une crème solaire, mais je ne sais pas même pas si ça va. J'en ai vu une trop bien, donc je voudrais voir. Ça, c'est l'enveloppe Aurélie. Alors, ce n'est plus des sous que je mets au budget. C'est le juste pour moi que j'ai fait dans mon défi gain que j'ai pris. Et là, j'ai mangé chinois hier avec mon collègue et j'ai payé avec ça. Voilà. Plaisir. Plaisir, il me reste 15,50 €. On a mangé McDo. On était juste avec Nolan et Yann. On a pris 3 menus. Et on en a eu pour 34,50 €. Donc, il me reste 15,50 €. Alors, entretien, on a tout dépensé. Ah non, j'avais pris dans le défi flash. Ah, dépensé les 9. Attendez, je gomme. Voilà, 9. Là, non. Et là, on a dit 34,50 € au McDonald's. On va y remettre 50 € pour cette dernière semaine qui, je pense, vont partir. On va peut-être pareil manger. La semaine dernière, on a mangé le mercredi chez mes beaux-parents. On est parti à la campagne manger avec eux pour l'anniversaire de ma belle-mère. Ça lui a fait beaucoup de plaisir, enfin très plaisir. Elle était contente parce qu'elle s'y attendait pas. Elle pensait pas qu'on venait. Mais enfin voilà. On a été voir, la voir. Ça nous faisait plaisir. C'était juste top.
Et faut profiter des gens qu'on aime tant qu'ils sont là. Voilà. Maison, j'ai pas dépensé. Ils sont toujours là. Donc, je les laisse dans le porte-monnaie plié et je prends les autres. En imprévu, il me reste 2 euros. Je sais que j'ai payé des trucs. Me demandez plus quoi. Je ne sais plus. Après, je sais qu'il y en a qui sont partis dans le défi flash aussi. Faut que je regarde mon défi flash. J'ai pris en entretien 10 euros. Donc, j'ai dépensé 11 euros. S'il me reste 9. Non, s'il me restait rien. Maintenant, j'ai dépensé 10. Oh, really? Ah, bah oui, j'ai pris 2 et quelques. Oui, c'est ça. 10. Hop là. Et 6 euros en imprévu. Donc, il me restait 4 et il me reste 2. Donc, j'ai dépensé 2 euros en imprévu. 0 et 2 en imprévu. Voilà, on va remettre les 20 euros. Moi, je l'ai déjà fait. Non, je ne l'ai pas fait. Non, c'est 10 euros en prévu, Aurélie. T'emballe pas. Hop. Imprévu, il est là. Et donc, promo, j'y ai pas touché. Comme je vous ai dit, j'ai pris dans l'alimentation pour acheter tous les jus pour faire le planteur pour l'anniversaire, les 18 ans de ma nièce au mois de septembre. Ça va bouger cette semaine. Il me reste 60 euros en beauté et c'est pour ça que j'ai pas pris pour compléter parce que je savais que j'avais des rendez-vous cette semaine. Et santé, on a toujours les 20 euros. Voilà pour le porte-monnaie. Excusez-moi. Donc on va voir combien là ça c'est vide, c'est parfait. Plum, j'ai déjà remis. Je me remonte. Remontre. On est à 91 euros, donc j'ai coché la case 13. Et en pluie, on a eu 4 jours. Oui, parce qu'on a eu de la pluie. Il est un peu mieux que le mois de juin, le mois de juillet, mais franchement, on n'est toujours pas au plaisir de l'été. Hein. 57 pour les jours de pluie. Là, j'ai vu que pour le mois prochain, il y avait 15. Donc, je vais pouvoir récupérer soit le billet de 5, soit les. Enfin, au moment du remplissage. Hein. Soit les. Zut, aidez-moi. Soit les pièces. Hop, parfait. Tac. Donc, on va faire les petits calculs ici. Donc là, on n'a rien dépensé. Hein. Tac, voilà. Ça ira plus vite. 91 plus 10 plus 34,50 et 2. 137,50. En même temps, alors on ne dépasse pas beaucoup, mais on n'est pas beaucoup à la maison. On a mangé chez mes beaux-parents, on a mangé chez mes parents. Vous voulez faire des économies, faites-vous inviter par vos parents. Voilà, on a mangé une fois le McDo, enfin voilà. Donc, nous avons 2, 4, 5, 55. Et 10, 65, 66 euros et 50 centimes, 66, 50, plus 16, 82, 50. Franchement, s'il faisait beau, je ferais beaucoup plus de sorties de machins et trucs, mais là, il fait vraiment pas assez beau, quoi. 82, 50. Pas faute de vouloir dépenser mes sous, hein, je vous le dis moi. De la part de monsieur, hop, nous avons 2 billets de 5. Il y en a un, je lui ai piqué. Et un, il me l'a donné. Hop, et ça, c'est toutes les pièces que je lui ai piquées. Alors il m'a dit, on dirait ta mère, Aurélie. C'est ma mère. Alors, ça va faire rire mes sœurs qui regardent mes vidéos. Ma mère fait les poches de mon père tous les soirs. Donc, mon père, tous les jours, tire 20 euros pour aller acheter son paquet de cigarettes et son pain. Et tous les soirs, ma mère lui fait les poches. Voilà. Et ben, je commence. Je dis, ça va, c'est un bon défaut quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 2, 3, 4,
5 et 50 qui font 9. Hein, 9,30, donc 19,30 €. Ah oui, j'ai été gourmande. J'ai été très gourmande. 19,30 €. Mais c'est pas grave. Donc, on va mettre ça par là. Je ne veux pas les abîmer. Mes petits trombones trop mignons. Hop. Ça, je le repousse. Et on va mettre les billets de 5 ici. Et on va être parti pour faire les... Donc, plus 19,30 €. On est à 101,80 €. 101,80 €. Parfait. Allez, go. On va se remplir les défis. Ça, je le mets après pour après. Bon, bah, j'ai pas fait. Pardon, punaise. Il y en avait qu'un, franchement, il y en avait qu'un. J'ai pas eu le temps. Ça m'embête de mettre un billet. Je veux pas remettre le billet. Oh! Final, ça va peut-être être ma plus grosse enveloppe à mettre dans mes épargnes à la fin. Allez, juillet, semaine 4, plus 5. J'en ai mis tous les mois, hein, 65. J'en ai marre de moi. Est-ce que je lance le dé? Oui, allons-y. 1, on est toujours sur 1, vous voyez? J'ai pas triché. Donc, je garde le 1. En même temps, si je le fais pas, je récupère mon billet de 5. Mais bon, on verra. On verra. Parce que je vous dis, je veux tout boucler avant de partir. Donc, j'ai ma maison à boucler. Là, on va tenter un 3. Ah, non, t'en vas pas. 4. Non, c'était celui du dessous qu'il fallait. Donc, non. Bah, ça avance plus trop ici. Hein. Ici, j'ai 2 billets de 5. Les saisons, on a dit qu'il fallait bien l'avancer. J'ai 4. Si je mets 6, j'arrive à 40 et on est à presque la moitié. Il me restera au mois de septembre à finir. Ouais, on va mettre 6, ça fait 40. Le 6, il est là. Je vais récupérer ça. Et je vais mettre un billet de 20. Mon Monopoly. Ah, j'adore. Hop. Alors, moi, il n'est pas beau, là, hein, parce que c'est un des prototypes. Hein. J'ai pris un des prototypes. 2 dés pour pouvoir rejouer au cas où. 9. 5 et 4, 9. Je suis où? Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, 10 euros. On est sur le gâteau d'anniversaire. C'est très bien également. Donc, on est à 135. Toc, toc, toc. Donc, je récupère le billet de 10 et je mets le billet de 20. Et on est bien à 135 en moment. 5, 7, 9, 10, 11, 11, 13, ouais, 135. Parfait. Il monte bien, moi j'adore. Hein, parce qu'on avait déjà pris au mois d'avril pour les vacances à La Réunion 162. Là, on est à 135. Ça fait, si je le laissais se cumuler, une très belle somme. Mais j'en profite pour mes vacances. Le memory, oh là là, il faudrait que je le fasse. Celui-là, on a dit qu'on aimerait le terminer. Donc, je vais le faire. Il ne faut pas que j'oublie que je veux mettre 10 euros là. Je vais mettre 10 euros tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop. Donc, il nous reste 10 euros à mettre la semaine prochaine et j'aurai fait cette carte-là. Hop, parfait. Ici,
Il me reste le 6, le 1,10€ ou le 5,50€. Double 6. Eh, mais comme la semaine dernière, je crois. Flûte, main. En même temps, ça fait 6. Allez, on va mettre 6. Je veux le terminer. Donc, je fais n'importe quoi, mais je veux le terminer. 75, 60 plus 6. Ça nous fait... 81,60€. 81,60. 81,60 centimes. Donc là, je rajoute 6€. J'ai quoi ici? Il faut que je sois à 81, c'est ça? Alors, on va faire ça, ça et une pièce de 1. Parfait. On est bien à 81,60€. Et j'ai récupéré encore un billet de 5. La phrase du mois. Je suis à 70 sur 76. En gros, je le termine. Il faut que je mette 4€. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6€. Est-ce que je mets les 6€? Je vais les mettre en pièces. Mais après, je me dis que non, je ne vais pas les mettre. Au cas où je tombe dessus au défi flash, voilà, ça me laissera des sous à mettre dessus. Non, c'est là. Et au pire, je le termine la semaine prochaine, 6€, je pourrais les mettre sur un bilan de mois. Je pense que ça devrait le faire. La beauté, il va falloir qu'on envoie un peu là. Hein. Mais j'ai toujours une dette, je crois. Allez. J'ai toujours une dette. Ouais, moins 5. Ah ben, j'aurais pu venir prendre là, mais c'est pas grave. Ça passe dans mon... Donc, je vais retirer la... Là. Hop. Et celui-là, il est fait. Ah, 15 et 15, 30. Et 20, 50, c'est bien ça. Il faut que je mette les sous. Alors, soit je récupère encore un billet de 10, mais ça veut dire qu'après j'ai que des billets de 5 dans mon truc là, dans mes petites cartes à 7. Celui-là, c'est des billets. Là, j'ai récupéré un max. Il est terminé, ça c'est top. Lui, il est fini. C'est-à-dire que je remets encore que des 5 là-dedans. Ça m'agace. Pardon. C'est pas grave, de toute façon, je veux les récupérer. Donc 10. Hop, on est bien à 50 ici. Je ne gratte pas, j'ai remboursé ma dette. On grattera peut-être la semaine prochaine, on verra. L'anniversaire de ma nièce. J'ai plus de billets de 10. Hein. On est à 20. J'ai 7, j'ai 3. Après, c'est des 10. Je vais mettre 3. Je vais mettre 3 et... la semaine prochaine, avec comme ça un bilan au mois, j'aurai plus de... Je pourrais peut-être plus en mettre. Hop. Je suis à 46 minutes. Tout va bien. J'ai mis les sous. Oui. Hop. Emoji. Il manque 5€ là. J'ai déjà plein de billets de 5. Pareil, je verrai la semaine prochaine. Hop. Je vais aux petites cartes. Hein, parce que les petites cartelles, je veux en mettre. Et je pense que je vais mettre des pièces. J'ai quoi en pièces ? Je vous sors toutes mes pièces. Et je vais peut-être échanger avec le porte-monnaie également ensuite. Voilà. Alors, il me reste blush. Blush, j'ai 2 billets de 5. Là, j'ai déjà des pièces.
Hop, on va aller voir blush. Non, c'est Betty que j'ai des billets de 5. Il me faut 11 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et ben voilà. 11 euros, elle est terminée. 2,50 et 2,50 qui font 5 et 3 qui font 8. 8, 9,50, 10 et 11. Parfait. Les comptes sont justes. On est à 20 ici. Donc blush, c'est terminé. Et je vais faire l'échange tout de suite. 2, 4, 6. 2, 4, 6, n'importe quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc. Aurélie, réfléchis, réfléchis. Prends une pièce de 2. Voilà, là on a bien 10 avec le billet de 5 et les pièces. Plus un billet de 10 en imprévu. Je vais faire ça. Imprévu. Où je prends tout et je fais l'entretien. Oui, c'est de la triche. Vrai, vrai de vrai. C'est vrai, c'est de la triche. Je remets un billet de 5 pour le récupérer. Mais je prends aussi le risque de le dépenser, hein, parce que je le mets dans l'entretien. Hop, tac, tac et tac. Voilà. Donc, j'ai mes 20 à mettre en épargne de blush. Et Betty, il me reste 5 euros. Et ben c'est très bien. On va mettre 5 euros en pièces. 5 en pièces. Ouais, c'est ça. 2, 3, 4 et 5. J'en ai pas d'autres. Non, après, c'est que des centimes. Alors, la tour Eiffel. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai regardé la cérémonie. C'était juste magnifique. J'ai adoré. Une cérémonie magnifique qui représentait bien la France. Enfin, voilà, c'était... attendez, je coche parce que je vais m'embrouiller. 1, 2 et 3, 4 et 5. Non, c'était... la liberté, les droits de la femme. Enfin, franchement, c'était juste... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y aura toujours des polémiques sur tout. Mais moi, j'ai aimé toutes les prestations. Franchement, c'était magique. On se l'est donné, je dis. On est le seul pays, quand même, à l'avoir fait en dehors d'un stade. Franchement, on a pris un pari risqué et on l'a super bien rempli. On a fait des artistes, de magnifiques artistes. Ayana, je ne sais jamais le dire, je ne vous embêterai pas. Enfin voilà, elle a chanté avec la garde républicaine du Aznavour. Céline Dion qui revient sur scène. Enfin, c'est magnifique. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, j'ai corrigé le devant ou pas? Oui! Alors, celle-ci, elle est terminée. Celle-là est terminée, celle-là est terminée. Peut-être que je l'arrondis, celle-là, à la fin, avec la semaine prochaine. Il me manque 5 ici et 4 ici pour arrondir. Franchement, on est pas mal. On est pas mal. Allez, on va mettre... j'ai bien rempli ici, je suis trop contente. On va mettre 10 et 20 euros dans le défi des 5 euros. Ça va être une longue vidéo. Je suis désolée. En même temps, vous avez eu plein de courtes. Donc, je queen. C'est ma chaise. Hein. Je rajoute 4 billets. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais avoir ma deuxième glace. On est à 90. Je vais partir avec une deuxième glace. Je suis trop contente. Hop là! C'est trop cool. Oui, parce qu'en fait, mercredi, je vais pas vous faire la vidéo de mon budget des vacances parce que je veux encore faire mon bilan de la semaine d'après pour vous le faire. Donc, vous l'aurez mercredi dans 15 jours. Enfin, ouais, une semaine et demie. Parfait. Non, faut que je mette les sous. Hop. Là, mercredi, vous allez avoir le bilan des enveloppes dorées. On sera le 31, ce sera le dernier jour, ce sera tout bon. Hop. Et en défi d'or, je vais y rajouter pas mal.
1 euro. Prends-les dans les mains, ça tu mets direct dans la boîte Aurélie. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 6, 7 et 8. Donc 4,80. Pas mal. 4,80 €. Est-ce qu'il est libre? Oui. Je regrouperai une prochaine fois. 4,80. Je vais aller avec la calculette. Ça ira plus vite. 4,80 plus 325, 7. On est à 330,50. Ah, je vais peut-être pouvoir le 330,50. Je vais refaire un échange, mais je ferai ça tout à l'heure en dehors. 330,50. Parfait. On est à moins des 200 euros de le finir. Franchement, j'aimerais tellement. Hop. Je mets ça là et je le basculerai dans mon porte-monnaie après. Ou peut-être que je vais l'emmener en vacances. Pas une mauvaise idée ça aussi, de me mettre pour la route, acheter les cafés et tout. C'est pas une mauvaise idée. Ah voilà. Bon, je vais garder en fait mes pièces pour ça. Le défi flash, allez, c'est parti. On va lancer un dé pour la semaine 5. 6. 6, c'est l'emoji. Il s'est arrêté sur 6. Hein. Il est arrivé là sur 6. Hop, et à gratter. Hop, il m'en faut une. Oh là là, c'est bien. Hop. Non mais, vous voyez, je sais pas. Hein. Je ne l'ai pas choisi. Il n'y a pas de, il n'y a rien qui montre sur mes... sur mes petites cartes, ce que c'est. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai eu le nez, comme dirait l'autre. Donc, on va mettre des sous dans la phrase du mois. Donc, déjà, c'est simple, on va la terminer. On va la terminer comme ça. Comme ça, peut-être que juste j'aurai à l'arrondir la semaine prochaine. Donc, je vais y mettre 6 euros que je prends en entretien. C'est bon. Hop. Et je vais prendre un billet de 5. Comme ça, en fait, je le remets directement dans les... Il a juste changé de place. C'est parfait. J'ai le ventre qui gargouille. Et on est à 76. Il est terminé. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous aurez bien une nouvelle phrase le mois prochain. Qui fera peut-être sur 2 mois également. Parce que j'ai qu'une semaine pour le remplir. Hop, voilà, comme ça, la semaine prochaine, peut-être que je le récupère en arrondissant. Ce serait pas mal. Oui, j'allais ranger mon défi flash, mais non. Et après, on a emoji. Emoji, emoji, c'est le défi de Linda. Bah, il me reste 5 euros à mettre, en fait. Donc, je ne vais pas gratter, je vais mettre les 5 euros. Non, je ne vais pas prendre en entretien, je vais prendre en imprévu. Et bah, je vais récupérer un billet de 5. En imprévu, il me restera 5 euros. Voilà. Donc, comme ça, il ne me manque plus rien. Soit je hisse, soit je fais... celle-là, elle est faite. On a 25 euros. 15... 5, 20, et j'en ai une autre de fête, je crois, qui est rangée. Hop, parfait. Peut-être que je sais pas si je gratterai la semaine prochaine, c'est ça que je voulais dire. Bah écoutez, voilà, il faut juste que je le note. Semaine 5, en entretien, j'ai pris 6 euros, et en imprévu, j'ai pris 5 euros. Et j'ai terminé un défi. C'est cool. Comme ça, une petite. Enfin, j'ai terminé une petite carte. Je pourrais la reprendre.
en prends une ou pas la semaine prochaine, parce que du coup, on a mis quand même pas mal. Donc voilà, donc j'en ai quelques-uns qui sont un peu en pause, hein, mais franchement, ils vont vite revenir. Là, c'est parce que je veux un maximum récupérer mes billets de 5, charger là. Donc, ben, c'est des sous en moins que je mets dans les autres défis. Et mon Monopoly, lui... ah, j'ai pas mis le total. C'est bizarre. Ah, mais non, c'est le plus ou moins, Aurélie. Oh, n'importe quoi. Mon Monopoly... voilà, celui-là, je ne le zappe pas parce que je veux l'emmener en vacances. Donc là, quand même, on commence à avoir une petite somme. Donc, voilà. Allez, c'est tout bon pour moi. J'ai mis en défi flash. Défi flash. J'ai mis combien? Oh, j'ai pas envie de ressortir. J'ai mis 6 et 5, ça fait 11. 11 euros. Voilà. Parfait. On se retrouve mercredi pour le bilan des enveloppes dorées. Ensuite, on se retrouve samedi pour le bilan de la semaine 5. Dimanche pour le bilan du mois. Voilà, on se retrouve 3 fois la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi. Passez une excellente semaine. Et amusez-vous bien, et en espérant qu'il y ait un peu de soleil. Normalement, on part sur une pas trop mauvaise semaine. Ça serait top. Voilà, allez, bye. Encore un énorme merci à vous les filles. Bye.